Allez, coucou, j'espère que tout le monde se porte très très bien, mes chers chéris à moi, mes chers chouchous, mes chères chouchoutes. Eh bien là, je reçois un message pour toi pour cette nouvelle semaine du 1er au 7. Eh bien, ça te réserve quoi? Qu'est-ce que tu dois savoir cette nouvelle semaine? Comment te préparer et comment l'accueillir? D'accord? Et donc, du coup, on va aller demander au guide, tout comme toi, tout comme moi, pour savoir plus et pour comprendre. D'accord, on y va. Quel est le message pour nous pour cette nouvelle semaine, s'il vous plaît, cher guide? Qu'est-ce que l'on doit savoir? Eh bien, cette nouvelle semaine, ça vous apporte un déplacement, un déménagement amoureux ou un voyage amoureux, d'accord? Ou on me parle aussi de beaucoup de rentrées financières, d'accord? Donc, du coup, c'est pas mal, hein? D'accord, c'est pas mal. Moi, le message que j'ai, c'est pas mal. D'accord, ici, on me dit, dans cette nouvelle semaine, d'accord, forcément, il y a ici un déménagement, hein, d'accord, ou carrément ici, vous allez voyager. Et ça sera un voyage sentimental. C'est quelque chose qui va se faire à deux. D'accord? Ou carrément, c'est un déménagement ensemble. D'accord? Ou carrément, vous vous mettez ensemble avec quelqu'un ici sur le plan sentimental. D'accord? On me parle d'un nouveau départ ici. On me parle d'un nouveau départ sentimental. Soit vous aménagez ensemble, ou soit vous vous déplacez, vous voyagez. D'accord? Ici, vous avancez vers quelque chose ensemble. Mais ici, il y a un changement de lieu. Hein? Ouais, pour toi, hein, ma féminine. Il y a un changement de... Ah ouais, avec un homme. Hein? D'accord? On me parle ici d'une relation amoureuse qui se met en place. Ouais, on me parle d'une relation amoureuse qui se met en place. Et c'est quelqu'un qui t'aime énormément, quelqu'un qui est conscient, d'accord, de ce qu'il ressent pour toi. Mais il faut être conscient, d'accord, que cette personne ne va pas bien actuellement. C'est une personne qui est en traversée du désert pour le moment, d'accord. Et donc, du coup, ça va le traumatiser pendant un temps. Cette personne a besoin d'une guérison, d'accord. Donc, du coup, cette personne aura forcément besoin de toi, de ton assistance, pour pouvoir y arriver. Mais ici, d'accord, on me parle de la mise en place, d'accord, d'une nouvelle relation ou bien d'un nouveau départ. Si c'est que vous étiez en couple, eh bien ici, c'est comme si vous allez chercher à voyager ou ou à porter quelque chose de nouveau dans la relation. D'accord, ici. Et si on peut te parler aussi des rentrées d'argent ici. Hein, d'accord, au cours de cette nouvelle semaine, tu vas avoir beaucoup de rentrées d'argent. Les portes vont s'ouvrir pour toi, d'accord, financièrement. Eh bien, tes activités vont prendre ou carrément ce que tu attendais viendra vers toi. Et si entre-temps, tu avais lancé des prêts ou bien tu avais demandé des aides financières, d'accord, ça va se faire. D'accord? Donc ici, cette nouvelle semaine, ça s'annonce très bien, hein, du 1er au 7. Du 1er au 7, quel est le message pour nous? Moi, je pense que la semaine s'annonce très bien. Je suis toute contente ici, d'accord? On peut me parler d'un congé ici aussi, d'un éloignement ici, d'une vacance, d'accord? Ou ça sera sentimental, ça sera à deux ici. D'accord? On te dit que ça te sera une très bonne nouvelle. Donc, du coup, on te dit c'est positif. Il va falloir fortement, d'accord, que tu profites de ça. On te dit, permets, d'accord, ça quand ça va arriver. Permets ça, d'accord? Parce que ça va te faire du bien, d'accord? Et donc, du coup, ici, on te dit que vous aurez forcément des personnes ici, d'accord, qui vont vous soutenir dans cette relation. Ou carrément, ici, il y aura une personne particulièrement, d'accord, qui va t'apporter une bonne nouvelle ici. D'accord, ça peut être une femme, ça peut être un jeune homme. On peut me parler de quelqu'un qui est un peu immature, quelqu'un qui a pris, qui va prendre une décision à la hâte ici. D'accord? On peut me parler de quelqu'un qui va prendre une décision à la hâte ici. Et c'est quelqu'un qui va discuter avec toi. Et c'est quelqu'un ici, d'accord, qui t'aime beaucoup. D'accord? Ça peut être ton fils, ça peut être ta fille, ça peut être ta sœur, ça peut être en fait, ouais, ton âme sœur même. Ça peut être la personne de ton cœur. Ça peut être plein, plein, plein de choses ici. On te dit, cette nouvelle semaine va t'apporter en fait une grande victoire. Hein? Avec quelqu'un, c'est-à-dire avec une personne ici, d'accord, qui va vraiment prendre une grande décision,
D'accord, te concerne. Donc, du coup, cette personne, ça peut être ton père, ça peut être ici ta mère, ça peut être ton âme sœur, ça peut être ton mari, ton époux, ça peut être la personne de ton cœur, d'accord, ça peut être ton frère, un ami, un collègue, la hiérarchie, d'accord. Peut-être ici, on peut prendre la décision, d'accord, de te nommer, d'accord, et de te mettre à une place beaucoup plus élevée dans l'entreprise, d'accord. Ici, on peut prendre la décision, d'accord, de quitter une situation, de quitter une entreprise pour une autre entreprise ou bien de quitter une situation pour une autre situation. D'accord? On peut prendre la décision ici de se séparer peut-être d'une relation pour une autre relation. Ouais. On peut prendre la décision ici, d'accord, de se désengager, d'accord, d'une relation ou bien d'une personne. D'accord? On peut prendre la décision ici de se désengager d'une personne pour pouvoir aller vers une autre personne. On peut prendre la décision ici, d'accord, de s'engager aussi avec une personne. D'accord? Donc, du coup, c'est très positif le message, mais ici, ça dépendra, en fait, ça va dépendre du cadre dans lequel tu es, tu te retrouves. Néanmoins, peu importe, d'accord, la décision que la personne va prendre ici te concernant, ça sera très positif parce que c'est une décision qui va vous élever. C'est une décision qui va t'élever aussi. C'est une décision, en fait, qui va vous amener loin. D'accord. Donc du coup, c'est positif. C'est très positif le message que j'ai pour cette nouvelle semaine. Pour cette nouvelle semaine. La suite du message, s'il vous plaît, mes guides. La suite du message pour cette nouvelle semaine du 1er au 7 août. Ouais. On te parle ici, d'accord, d'une situation où... je vois ici, une personne sera très, très en colère, sera dans tous ses états parce que cette personne ici aurait appris certaines choses. On lui a dit des choses, d'accord, qui vont le mettre dans tous ses états, d'accord. Et ici, on me parle aussi d'une situation où il va y avoir, d'accord, des personnes, d'accord, qui ne seront pas d'accord vis-à-vis de cette personne pour la décision que cette personne va prendre. D'accord? Il y a en fait, quelle est cette décision que cette personne va prendre ici? Je veux bien savoir, chez guide. Ouais, c'est une personne qui aimerait bien prendre une décision sentimentale qui lui apporte de la joie, qui lui apporte de la tranquillité. En fait, ici, qui lui donne en fait une gloire, en fait, qui lui donne son bonheur. D'accord? Donc, du coup, cette personne va prendre cette décision ici. Et quand il va prendre cette décision ici, ça ne sera pas accepté. D'accord? Ici, il y aura ouais, des personnes qui seront contre lui. D'accord? Des personnes qui vont se retourner contre lui, qui ne seront pas d'accord avec sa décision et ici qui vont pouvoir ici d'accord se mettre dans le bateau pour pouvoir lui faire du mal, c'est-à-dire l'empêcher d'accord d'y aller vers sa décision. Mais il va remporter, hein. Il va remporter déjà avec le succès, il va remporter, il va y arriver, hein. Mais ici il y a une personne qui est beaucoup plus fort ici, qui a de l'autorité dans sa famille, une personne ici en fait, qui est très importante, d'accord, qui est très, très importante pour cet autre, d'accord. Et cette personne ici sera très, très fâchée contre lui. C'est une personne qui sera en colère contre lui, qui sera prêt ici à tout ravager, en fait, d'accord, qui sera prêt ici, d'accord, à tout détruire dans sa vie ou bien à s'attaquer à lui fortement pour cette décision qu'il a prise. Ouais. Donc, du coup, un peu de bataille dans cette nouvelle semaine, d'accord? Cette nouvelle semaine du 1er au 7 août. Est-ce que je peux avoir d'autres messages, s'il vous plaît, mes guides? Ouais. On va lui mettre beaucoup de blocages, hein? On va lui mettre beaucoup de blocages. On va chercher ici, d'accord, à le ruiner, à l'empêcher d'avancer, à l'empêcher d'y arriver, ouais. On pourra même ici, d'accord, lui jeter des sorts. On pourra même ici lui jeter des sorts. On pourra même ici, d'accord, faire de la magie noire. On va ici être très hypocrite vis-à-vis de lui, très arrogante vis-à-vis de lui, très méchant vis-à-vis de lui. On va pas le laisser faire ici, hein, d'accord? On va chercher à lui mettre tous les bâtons dans les roues ici pour l'empêcher d'y arriver, d'accord, à ce qu'il aimerait faire. D'accord? Ouais, à cette stabilité qu'il aimerait
aller vers, d'accord? Ici, on va le traumatiser, on va le rendre malade, on va lui donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis, on va le mettre dans un état, d'accord, un peu plus sale ici, d'accord, beaucoup de chagrin, d'accord, vis-à-vis de toi, mais c'est quelqu'un quand même, malgré tout, d'accord, qui tient toujours à cette relation, qui tient toujours à cette union avec toi, parce qu'il ne voit que toi en lui, il ne voit que lui en toi. Et on me dit que vous êtes fortement protégé, d'accord, par une grande mère ou bien un grand-père, quelqu'un quand même de l'au-delà, d'accord, un ancêtre quelque part ici, qui vous pousse à être ensemble et qui va beaucoup vous protéger, d'accord. Néanmoins, ça ne sera pas une bataille facile ici. Hein. Pour cette nouvelle semaine, ça ne sera pas une bataille facile. Hein. Certes, vous allez remporter, d'accord, parce que déjà, avec le succès, ça neutralise tout ce qui est négativité. Vous allez remporter, mais il y a quand même de la bataille. Il y a quand même de la bataille. Mais ici, vous allez vous mettre ensemble. C'est le fait que vous allez vous mettre ensemble ici, d'accord, qui va susciter, tu vois, et qui va commencer par prendre ici. Ça va commencer par circuler. On va commencer par se rendre compte. Et puis, du coup, d'accord, ça va générer les problèmes, les difficultés, les histoires dans tous les sens. Hein. Les histoires dans tous les sens. Restez vraiment fort, hein, d'accord. Ce déménagement. Ouais, on me dit que c'est un déménagement qui a accusé beaucoup de retard, en fait, où on vous demandait, d'accord, de partir, c'était depuis un moment. Ou carrément, ici, on me dit que c'est un déménagement peut-être qui va encore accuser un peu de retard. Peut-être que vous avez fixé une date pour ça, mais peut-être que la date sera reportée, ou bien ça va prendre encore un peu du temps, mais ça va se faire. D'accord, ça va se faire, mais ça pourra prendre peut-être un peu du temps. D'accord. Donc ici, on me dit, il faut forcément, d'accord, que vous menez, d'accord, les démarches qu'il faut, d'accord, que vous faites ce qu'il y a à faire pour pouvoir sauver cet amour. Il faut faire ce qu'il faut faire ou bien ce qu'il y a à faire, d'accord, pour sauver cet amour. D'accord? Parce que ici, financièrement parlant, les choses vont s'améliorer, les choses vont se faire. Mais on vous dit également de ne pas être peut-être trop avare, d'accord? De ne pas être trop avare face ici à ce que vous allez gagner. D'accord? Ici aussi, si c'est que vous avez de la clientèle, on vous demande ici de ne pas être. C'est-à-dire, il ne faut pas que cette tumeur, d'accord, ici, qu'on vous laisse en vous, vous pousse ici, d'accord, à être un peu dur, un peu compliqué envers vos clients, d'accord. Donc, du coup, ici, il va falloir garder votre calme, garder le cap, garder votre stabilité, d'accord, face à toutes les rentrées financières que vous allez avoir. Si possible, faire, en fait, de petits déplacements, d'accord, pour que les choses s'améliorent, pour que les choses arrangent, pour que les choses ici avancent, même si ça doit connaître un peu de retard. L'important, c'est que ici, ça va se faire. Et la bonne nouvelle est que vous allez vous engager, vous allez vous mettre ensemble, vous allez décider, d'accord, de signer ce contrat. Vous allez le faire le plus rapidement possible. Et donc, dans cette nouvelle semaine, il y a un lien ici qui va se concrétiser, les amis. Il y a un lien qui va se concrétiser. Et du coup, ça va amener certaines personnes à chercher à communiquer avec vous, à discuter avec vous, peut-être ici, pour leur propre intérêt. Parce que c'est des personnes ici, d'accord, qui cherchent leur intérêt. Donc, du coup, elles vont chercher ici, d'accord, à se rapprocher de vous. Et c'est particulièrement la tierce personne ou bien les tierces personnes ici pour pouvoir ici vous parler de la personne de votre cœur, pour pouvoir vous parler de la personne avec qui vous êtes, d'accord, avec qui vous êtes unir, avec qui vous êtes mis ensemble, d'accord. Peut-être vous parlez mal de cette personne pour en fait ici chambouler, d'accord, votre union. D'accord? On peut venir vous raconter des choses ici. On peut vous appeler. On peut venir vers vous. On peut demander à vous rencontrer. Ou on peut commencer ici, d'accord, par raconter des choses fausses sur vous, juste pour vous embrouiller. Hein, d'accord? Restez vraiment forte et très équilibrée. D'accord? Ouais, c'est des personnes ici qui veulent la mort de cette relation. C'est des personnes ici qui veulent tuer cette relation. Et ils vont chercher par tous les moyens ici, d'accord, à vous atteindre. D'accord? Et c'est à vous de garder le cap pour que la stabilité y ait dans cette relation. Donc, du coup, la protection divine est toujours là. Donc, on vous dit, cette nouvelle semaine, c'est vraiment bénéfique parce que de très belles messages arrivent vers vous, mais qui va susciter beaucoup de colère, qui va susciter beaucoup
beaucoup de négativité derrière. Des personnes ici, d'accord, qui seront prêtes, d'accord. Il y a trop du monde, hein. Il y a trop du monde ici qui viendront après. Et quand ils vont apprendre que vous êtes mis ensemble, ou bien quand ils vont apprendre, d'accord, ici, que vous êtes partis ensemble, ou bien que vous partez ensemble, que vous décidez d'être ensemble, eh bien, oh là là, ça va commencer par chambouler, d'accord? Et on vous demande d'être fort, hein? Il faut être vraiment fort face à la situation, il ne faut pas se laisser faire. Le conseil pour vous cette nouvelle semaine, cher guide, s'il vous plaît, le conseil pour nous cette nouvelle semaine du 1er au 7, qu'est-ce que vous nous conseillez? Qu'est-ce que l'on doit faire face à ces gens de personnes, face à leur dire et tout? On vous demande ici, d'accord, de rester vraiment unis comme étant père et mère, d'accord, de rester très unis, d'accord, comme étant un couple très soudé, d'accord. Donc, du coup, on vous demande ici de ne pas laisser la place, d'accord, aux autres pour qu'ils vous atteignent. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, du coup, on vous dit ici que ce n'est que la meilleure manière, d'accord, pour que vous y arrivez, tout simplement. Et de faire très attention, parce que c'est comme ce qu'on vient de dire déjà, on va beaucoup vous espionner, on va chercher à vous voler, on va vous jeter des sorts, on fera des fausses jalousies, on va être hypocrite, on va être méchant, on va sortir toutes les griffes ici, d'accord, pour vous menacer, pour mener la guerre, beaucoup de choses ici, d'accord, pour que vous ne vous en sortez pas, mais on vous demande quand même de garder le cap, parce que vous avez la source divine qui vous accompagne, qui vous protège, et qui ne va pas quand même vous laisser seul face à la situation. Donc du coup, on vous dire un grand oui, d'accord, le grand oui, c'est pour vous dire restez fort face à la situation. Eh bien, vous aurez un entourage malsain, d'accord, dès que vous allez vous engager dans cette situation. Un entourage très, très malsain ici qui pourra être contre vous, qui pourra être là, d'accord, pour vous déstabiliser. Ben, ne les calculez pas. Vous avancez, d'accord. Faites confiance à votre homme, faites confiance à votre femme et évoluez, avancez, laissez-les. Ça peut être la belle famille, ça peut être ta famille, ça peut être les amis, ça peut être les collègues, ça peut être qui que ce soit, laissez-les dans leur camp et puis vous avancez ensemble, d'accord? Merci beaucoup de m'avoir suivi et si tu n'es pas encore abonné, c'est déjà le moment pour toi d'appuyer juste sur la petite cloche de notification pour pouvoir faire partie de la communauté. Abonne-toi et aussi n'oublie pas d'appuyer sur le petit pouce j'aime pour m'accompagner. N'oublie pas non plus de me laisser tes jolis commentaires. Merci beaucoup d'être toujours là avec moi. Bisous, bisous, à la prochaine.